peu de lieu est utilisé, mais le mal ne s'est plus répété. Mais ce qui était bizarre, un jour j'étais derrière la télévision et mes yeux sont tombés sur mon pied. Le monsieur m'a dit sûr. J'ai dit au Dieu, je ne puis pas avec. Je vais boire. Oh mon grand frère qui m'a donné le médicament m'a pas dit qu'on peut boire. Il m'a dit seulement de ne plus. Puisque j'ai envie de boire, j'ai pris seulement les petits verres de thé là. Je me dis que la bouteille est tellement petite, donc ça ne peut rien me faire. Monsieur, c'est un verre seulement, j'ai pris. Je vous assure qu'au bout de 20 minutes, j'attends dans mon ventre. Monsieur, quand j'ai entendu ça, je ne voulais pas me lever. J'attends encore. Monsieur, je ne voulais pas me lever. J'ai commencé à lutter parce que l'émission qu'on faisait était tellement intéressante. Monsieur, la sonnerie s'est amplifiée et s'est venue avec force. J'attends dans mon ventre. Monsieur, je me suis levé avec vitesse sans qu'on me demande pardon. Quand je suis rentré dans la douche, monsieur, ce qui a commencé à sortir de mon ventre, je vous assure que ça ressemble à sauce d'humble. C'est bon comme ça. Monsieur, c'était les morts suivis de la sanité à l'intérieur. J'ai eu peur. J'ai appelé mon frère. J'ai appelé frère pour faire. Médicament que j'ai pris, j'ai bu. Mais c'est un verre seulement, j'ai bu. Je t'assure que quand il m'a fait la séance, c'est qui sont là. C'est les mauvais, les pieds dedans, il y a la salité, c'est noir, bien comme ça. Il dit, mon petit, cette maladie-là, ça touche. Il dit, cette maladie-là, ça touche. Et monsieur, je vous assure, depuis ce jour qu'il y a pris ce médicament, le mal ne s'est plus manifesté jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, je ne prenais pas ce médicament, monsieur. Madame, je ne vendais pas ce médicament. Le problème, je gérais ma cabine. Et aussi, quand il y a pollution, je vais faire le travail de la maçonnerie. Mais on a un parrain qui est tombé et on envoie au CHU de l'eau. Monsieur, je vous assure, c'est que j'ai vu au CHU là-bas. C'est là que j'ai dit à moi-même, moi aussi, je suis une croise de douleur. Je souffrais de mal qu'on a mis en moi. Et il y a un médicament qui nous fait du bien. Pourquoi ne pas vous donner ça? Monsieur, j'ai demandé le nom de la feuille et les croix que mon grand-père utilise. J'ai demandé, il me dit pour ça qu'il y a mon frère. C'est qu'il fait des tirs. La personne qui m'a monté le médicament, là, il m'a décidé, donc il ne m'a pas dit le nom. Et moi, j'ai décidé de l'appeler comme ça, de témoignage. Et monsieur, vous qui allez qu'à Vridi, à Vridi, il y a Port-Boué qui est là, et à Port-Boué, il y a un petit village qu'on appelle Agali, qui fait partie de la commune de Port-Boué. Monsieur, tu vas là-bas, tu demandes simplement un jeune du nom de témoignage. Monsieur, il n'y a pas de témoignage à Bidjan. Ce médicament là, et non seulement depuis que j'ai utilisé, ça m'a fait du bien par la grâce de Dieu. Et tous ceux que j'ai présenté ce médicament, la majorité m'ont donné les témoignages. Auparavant, c'était les nids seulement que moi je connaissais. Mais je vous assure que monsieur, le médicament, avec ceux qui ont utilisé, eux aussi ont témoigné. Et aujourd'hui, je connais ce que ce médicament est capable de faire. Pardon. Ce médicament n'a pas de totem, ça c'est un. Il n'a pas d'effet secondaire, ça c'est deux. Le médicament ne fait pas avorter maman. Mais on utilise ce médicament-là quand on est à la mer et puis son. Maman, pourquoi? Parce que ce médicament est conçu pour nettoyer. Il nettoie depuis la poitrine, l'estomac, la hanche et même les pieds. Il fait sortir tout ce qui est salité, maman. On parle de coco. Monsieur, mesdames, nous tous ici, étant dans le bus 19, nous sommes tous des cocotiers. Nous avons ce mal qu'on appelle coco. Il y a des gens, c'est dans les yeux, ça démonte. Il y a des gens, c'est la muscle qui sort. Il y a d'autres qui chient le sang. Et pendant les questions en train de parler, il y a des gens qui souffrent de ça. Monsieur, ce n'est pas on dit. Un garçon, quand il a trop de coco, ça agit son côté garçon au niveau de sa hanche. Monsieur, prends témoignage puis riche-toi avec. Ce médicament ne contient pas de piment. On ne met pas piment dedans. Ce médicament peut rester au frais comme il peut rester à l'air libre pendant 6 mois. Et il n'y a pas de problème. On ne met pas piment dedans. On ne chauffe pas aussi le médicament qu'on parle. Maman, on parle d'Annie. Annie l'a pardonné.
y a Annie et puis il y a Annie. Je précise. Maman, ce médicament là, une fois qu'il était à Annie, et quand tu touches la peau de l'Annie qui est descendue au niveau des testicules là, si c'est dur, mon médicament ne fait plus. Il y a un papa qui m'a demandé de témoigner pourquoi. J'ai dit à ce papa que papa, une fois que l'Annie devient dure là, mon médicament ne peut pas fondre ça. Or, Annie, on peut chier ça facilement quand c'est maintenant, c'est en train de descendre. Tu constates que les testicules là, un en train de devenir bloqué un. Monsieur, prends ce médicament là, pirige-toi avec. La dernière fois, dans le bus 19, on quittait Avridi pour venir. Quand j'ai dit Annie, il y a un jeune qui a dit, mon frère, prends-moi un médicament là, même temps, qui t'a continué à parler. Je lui ai dit, frère, laisse-moi m'exprimer d'abord. Il dit, c'est parce que tu ne sais pas combien de fois je souffre de ce mal là. Si tu veux, mais je peux soulever mon avis, tu vas voir. On m'a opéré deux fois à cause de ce cas de Annie là. Les deux opérations font 600 000. Quand il a dit ça, il dit, frère, il dit, devant les gens qui ont dit, je peux soulever mon avis. Et en ce moment, qu'ils sont en train de parler là, tu es en train de revenir encore. Il a dit, frère, Annie, ça, ça est dans le ventre. Tant que tu n'as pas encore chié ça, ça ne s'arrête pas. Et c'est ce médicament qu'il est conseillé. Maman, c'est pas menti. Papa à la maison, un côté, au niveau de son nombril, là, ça a commencé à gonfler. On appelle ça aussi un. Maman, prends une bouteille pour aider papa. Écoute mon dernier, ce médicament-là, c'est pas menti. Il n'y a pas de comprimé à l'intérieur. Il n'y a pas d'effet secondaire. Mais seulement le jour où tu veux utiliser, il faut être à la maison. Mais dis bien, le jour où tu veux utiliser, il faut être à la maison. Sur ma bouteille, là, c'est marqué mi-frein. Donc le prix est mi-frein. Monsieur, en même temps que ce médicament, j'ai les cocos, j'ai aussi les mi. Mais j'ai dit au commencement que ce médicament, il gère tout ce qu'on appelle les glais. Or, les glais, c'est les morves. Et ces morves-là sont la base de beaucoup.